την απόφαση αυτή, κλείσαν οι δρόμοι, γίνανε κάποια γεγονότα. Εσείς συμφωνείτε με όλα αυτά? Ορίστε. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Γιατί να μην συμφωνούμε? Είναι ένα μέσο πίεση. Πίεση, όπως μας κάνουν πίεση, αυτοί θα κάνουμε και εμείς πίεση. À quel moment le choix a-t-il tardé? Quand l'occasion a-t-elle été manquée? Nous n'avons pas trouvé les armes qu'il fallait. Nous avons laissé faire. J'ai laissé faire le temps, j'ai laissé perdre ce qu'il fallait défendre. Que ce qui reste bien au centre, c'est tout simplement cette bonne routine qui fait que le signifié garde en fin de compte toujours le même sens. Et que ce sens, il est donné par le sentiment que chacun a de faire partie de son monde. Tout au moins, c'est-à-dire de sa petite famille et tout ce qui tourne autour, et que chacun de vous, parle même pour les gauchistes, vous y êtes plus que vous ne croyez, et dans une mesure dont vous, justement, vous feriez bien de prendre l'empan. Attaché à un certain nombre de préjugés qui vous font assiette et qui limitent la portée de vos insurrections au terme le plus court, à celui très précisément où ça ne vous apporte nulle gêne, et nommément pas dans une conception du monde qui reste, elle, toujours parfaitement sphérique. Comment c'était? J'en ai tant vu qui s'en allaient. Ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu. Ils avaient si peu de colère. J'entends leur voix, j'entends leur pas, j'entends leur voix qui disent des choses banales. Comme on en dit sur le journal. Je souligne ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres tout usées et vos apparences brisées. Vous regardez m'arrache l'âme, les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble, le malheur au malheur ressemble. Il est profond, profond, profond. Ce ciel le croit, je le connais, ce sentiment. J'y crois aussi, moi, par moments. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en plus croire mes oreilles. Oh, je suis bien votre pareil. Oh, je suis bien pareil à vous. Bisogna ascoltare le voci che sembrano inutili. Bisogna che nei cervelli occupati dalle lunghe tubature delle fogne, dai muri delle scuole, dall'asfalto e dalle pratiche assistenziali entri il ronzio degli insetti. Bisogna riempire gli orecchi e gli occhi di tutti noi di cose che siano all'inizio di un grande sogno. Qualcuno deve gridare che costruiremo le piramidi, non importa se poi non le costruiremo, bisogna alimentare il desiderio.